Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une très courte vidéo. Je vous présente ma famille chenille. C'est des petits sujets qui portent bonheur. Je les ai réalisés avec de la laine, un crochet et une perle sur laquelle j'ai dessiné un petit visage. Je profite de la vidéo pour vous montrer un petit peu de scrap aussi. Il s'agit d'étiquettes qui m'ont été inspirées par Sophie de Couleur Papier. Elle a fait une vidéo tuto pour faire des étiquettes, mais comme j'avais pas les mêmes fournitures, le même matériel, j'ai fait un peu à ma sauce. C'est-à-dire que j'ai fait une découpe de tags que j'ai embossé à froid avec un classeur d'embossage. Ensuite, j'ai découpé deux sapins avec ma perforatrice sapin. J'ai embossé les deux sapins dans deux classeurs différents. Ensuite, j'ai coupé un premier sapin et j'ai collé celui qui était entier. Et par-dessus, je suis venue installer la découpe. J'ai tamponné quelques petits sujets que j'ai découpés à la main. Et ici, avec une perforatrice cercle, un petit message. Un petit ruban. Sur celle-ci, le tag et le sapin sont embossés avec deux classeurs différents. Cette fois-ci, par contre, j'ai pas coupé le sapin. Je l'ai fait embosser en une seule fois. Entièrement, disons. Et là, j'ai fait en trois fois. Trois classeurs différents. Avec des ciseaux cranteurs là en forme de vague, j'ai coupé une fois le haut, une deuxième fois le milieu et pour finir le bas du sapin que j'ai reconstitué sur un autre sapin. Donc voilà, c'était très très court comme je vous l'ai dit. Je vous souhaite de passer une bonne journée et vous dis à bientôt. Bye bye.